À présent, ce livre consacré à notre patrimoine. Vous le savez, depuis cet été, le bassin minier est reconnu au patrimoine de l'UNESCO. Une vraie reconnaissance mondiale pour notre région qui a dû se reconvertir dans différents secteurs professionnels après 3 siècles d'exploitation du charbon. Ce livre s'intitule « Voyage entre terril et cité, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ». Il vient de sortir et il met à l'honneur ce patrimoine précieux. Céline Huret a rencontré l'un de ses auteurs. Je pense que ça peut faire que du bien à ce territoire qui a toujours, qui a longtemps été dénigré parce qu'on ne voyait que le terril noir, on voyait les cités noires, le mauvais temps. Et donc là, on se rend compte qu'en regardant ce livre, qu'il y a de la couleur aussi, il y a de la vie, il y a des gens. Et c'est un territoire où les gens vivent comme ailleurs, quoi, mais avec un paysage tout à fait différent.